Alors aujourd'hui mardi 15, donc on va quitter cet hôtel, Titri Hotel. On était très bien. Voilà, on va quitter cet hôtel à midi, donc on profite encore un peu de la piscine ce matin. Les bagages sont prêts dans la chambre, donc il n'y a plus qu'à faire le transit de cet hôtel à l'hôtel The Village Fisherman, donc plus en haut. Voilà, on sera à 7 km de l'aéroport. Et puis sur une autre partie où il y a pas mal de choses à voir. Donc on va voir. On va changer de côté d'île. Voilà, en tout cas, c'est piscine pour le moment. Ah, bah oui, elle est fraîche. Ah, il y a un trou là. Enfin, le bilan de cet hôtel, super. Ouais, bien. Ouais. Très très bien, l'environnement est très bien. Ouais. C'est pas un grand truc. Bah si, quand même, mais c'est qu'il est en travaux, quoi. Mais ça va être un super truc, hein, une fois que les travaux... En grandeur, oui, oui, oui. Mais là, il y a des petits cottages, là, ça c'est les travaux, et un nouveau bar, nouvelle piscine, des nouveaux bâtiments, là, qui sont en construction derrière, c'est ce qu'on voyait de notre fenêtre. Voilà, comment il va être après. Et c'est vrai que ça va être un bel établissement, je pense. Très bel établissement. Voilà. En tout cas, on regrette pas nos 9 jours passés ici. C'était chouette. Bon ben voilà, les valises sont prêtes, on part dans 10 minutes et on va chercher un taxi car on mange sa petite soupette du matin. Voilà, c'est cool. Du midi presque. Ouais, du midi on va dire. Du midi, d'habitude elle prend un petit déj, mais là c'est le midi. Et puis moi j'ai des bananes si j'ai faim, une petite soupette pour l'instant. J'ai pas envie. Voilà, allez, on va bouger d'ici peu vers Fisherman Village. Allez, c'est parti, voilà, on est chargé. Un petit sac à dos, voilà, on le voit dans le miroir là derrière. Voilà. Voilà. Caro aussi, sa petite valise, son sac. Et voilà. Et on est parti. Parti. Allez. Hop. Allez. On va descendre les escaliers. C'est comme un départ, mais c'est pas encore un départ. C'est un demi-départ. Ça s'appelle changement d'hôtel. Changement d'hôtel, tout simplement. Toujours bien chargé. Ah, j'espère qu'on en aura moins pour partir. On n'a pas le choix. Ouais. Allez, c'est parti. On est dans un beau taxi. Jaune. Ça y est, nous sommes arrivés à notre hôtel. Donc une belle vue. Toujours, c'est cool. Pas mal, très sympa. On a demandé à être une chambre au calme, donc on est à l'étage, deuxième étage. Puis la chambre, bah, oui, bien agréable aussi, hein, j'ai l'impression. Hein. Mm-hmm. Va être bien là. J'aime bien le système de porte. Ouais. Une belle petite salle de bain. Bien. Voilà. La porte, bah oui, chouette. Ça, c'est bien. Voilà. Impeccable. Ouais, ouais, on n'entend rien quand on ferme. Eh bien écoute, je pense qu'on va bien. Et elle nous a même proposé la semaine prochaine de changer d'hôtel. De changer d'hôtel en face en fait, parce que c'est le même complexe, ils ont deux hôtels, donc du coup nous a proposé si on voulait de changer et aller de l'autre côté, on verra, c'est pas trop compliqué, les valises. Et puis là bah on a la piscine juste là, petite piscine pour se rafraîchir, et puis une très très belle vue, ça c'est top. Bon bah cool. On se pose un peu et on regarde Pierre qui roule en van. Voilà, sur la télé, ça c'est cool. Voilà. C'est mon tour de manger ma petite soupette. Et à quoi? C'est nouilles porc. Ah, moi c'était champignons. Non, j'ai pris porc, les bottes. On a chacun nos... Ouais.
Un petit poulet sauté voilà. À l'ail. Bon, bah, ça, c'était toujours nos vidéos. Hein. On va peut-être regretter notre beau petit restaurant. On veut bien. Petit peu de porc. Voilà. Voilà. On prend nos marques tout doucement. On va y se balader. On va vous faire une exploration de notre environnement. On va aller faire un petit tour à pied, voir déjà avant demain pour faire un grand tour et après demain et après on verra pour les vélos. Nous sommes au dernier étage du bâtiment de l'hôtel. Voilà. On va pouvoir se poser là tranquillement. Et là on n'est pas très loin de la plage en fait. Un petit bout de rue à remonter et on est à la mer. En face, Koh Phangan. Ah oui. Nous on était. Là, c'est le deuxième bâtiment de l'hôtel. En fait, il y a deux bâtiments. Voilà le deuxième hôtel. Et nous, on est dans celui-ci. On va par là ? On est juste au début de Fisherman Village. Voilà, juste au début, dans cette rue-là. Les souris, regarde. Voilà la plage de Fisherman Village, très belle plage. Ah oui, elle est grande. Des bons bateaux. Fisherman Village. Entrée de Fisherman Village. Voilà. Elle est sortie. Même de la pub pour votre Cobra Show. Piste de karting. Et là, on arrive sur une grande route.
Voilà, petit coup de piscine. Voilà. Sympa la couleur de l'hôtel. Voilà, j'aime bien l'ambiance. J'aime bien on est là-haut, là-haut. On n'a pas vu sur la piscine, nous, mais sur le côté. C'est ça, l'hôtel sans enfants, hein. Ouais, hôtel sans enfants, il est marqué. Donc, c'est pas pour les familles. Non, c'est calme. Je pense qu'il y a du coworking, je trouve ça. Piscine, elle est sympa parce qu'elle n'est pas très chaude, elle est bien, juste ce qu'il faut. Voilà. Allez, sortie nocturne. Direction le Fisherman. C'est parti. Allez, petit retour nocturne, la rue est barrée, donc là aussi. Thank you. C'est plus calme, Master. Hein. Non, mais comme ça, je voulais bien passer. Tu comprends? Je voulais bien. Très calme, c'est bien. Et ben, de retour à l'hôtel. Voilà. Réception ouverte jusqu'à 21h. Et nous, on va là-haut, là-haut, là-haut. De retour à notre petite chambre.